Ça s'accentue, ça s'accélère même, je peux dire. Donc ici, nous avons des cellules. Nous avons des cellules de congélation et de refroidissement tout le temps avant de congeler le produit. Donc avant de congeler le produit, et il faut le respecter. Et des produits aussi à sous vide, les mettre en sous vide aussi, les produits. Les mettre en sous vide. Ok, il y a aussi le chef Bass qui nous suit depuis Espagne, le chef Lamine aussi, bonsoir. Il y a aussi le Bonsoir, chef, bonsoir. chef Ali Diallo et tous ceux qui nous suivent, Nima et chef Wali. Chef Wali, nous, chef Bass et chef Gap aussi, que j'ai envoyé le lien. Vous pouvez entrer à tout moment, la ligne est ouverte pour vous. Les chefs, vous pouvez contribuer, je vous ai envoyé le lien pour soutenir notre invité aujourd'hui. Le chef Adem qui a du mal à parler. Mais on comprend, il n'y a pas de souci. Non, Donc, je vais dégueule, non, hey, annule la call off, annule la call off, annule la call off. Donc, chef, est-ce que on voit aussi que les fruits de mer sont remplis de toxines? C'est rempli de poison. Donc, Ouais, il y en a beaucoup. il y a une méthode de préparation, une méthode de nettoyage, vous ramenez. Pour enlever les parties peut-être qui contiennent du poison. Exemple, Ouais, comme les surtout les huiles, huiles, surtout les pour huiles. enlever le truc. Et beaucoup de gens ne le savent pas ou ne le font pas. Aussi, les huiles et tout. Pour nous parler un peu de la teneur en toxine des fruits de mer, parce que c'est très toxique et des fois ça fait des ravages. Ah ouais, surtout les huiles. Quand, comme nous m'avons dit, sauf fait que les poissons, vous l'avez à votre disposition. Déjà le vider, c'est tout ce que vous faites en premier après avoir vérifié. Vous sortez les huiles et vous videz les intestins. Et fofu nak le kébi chaîne de conservation bi di commencer hein su fekkene yow soxla wa fofu lay commencer su fekkene yow fumage nga soxla wala séchage wala salaison bi wala congélation bi c'est sûr que au Sénégal congélation bi lañuy gëna di def waaw mais li ci ëpp solo li ci ëpp solo li ñu mëna expliquer moy avant de l'acheter vérifier que sen jeune bi remplir nos conditions yi moy regarder déjà les yeux xol beuti regarder les yeux moy tiaxagne bi ou bien vérifier la brillance des écailles waaw lolou aussi lu ci am solo la moy wasintori donc tout ça ça wasintori tout ça parle de du produit donc nima ko lim leen meuna jox rek moy ñi ñuy déglu moy ñu vérifier en premier temps lolou pour xam qualité ak frais teneuru fraîcheur ou jeune bi Qui fonctionne donc Ostréicole, ouais, au niveau de la légume de saumon. saumon donc voilà vous pouvez aussi faire un passage là-bas pour visiter La là aussi déguster même. la culture des huîtres Hadim donc Hadim est-ce que tu peux nous donner une définition de l'ostréiculture c'est quoi quand tu dis l'ostréiculture bonne définition l'ostréiculture Ni ma koy joxe rek l'ostréiculture moy ki nga xamantene day yar ay huîtres. C'est l'élevage des huîtres. Tout simplement. Donc, amna ñoo xamantene aussi, il y a plusieurs façons d'élever. Amna ñoo xamantene par des systèmes de table la. Am ñoo xamantene au sol la, ci biir géej bi. Am ñoo xamantene en cage la, ou dans des clairs, comme fi ma nekk nii en Charente-Maritime. Mais technique d'ostréiculture, boo gis environnement bi boobu noonu, environnement géej boobu noonu, c'est ça qui définit sa technique pour ostréiculture. Donc, nous, man au Sénégal, j'ai opté pour le système flotteur, qui n'est pas, qui est unique, on peut dire même, qui est unique. Et c'est avec ce système que je développe mes huîtres actuellement, à cause de beaucoup de paramètres qu'on pourra en développer au fil de la des discussions. Donc, l'idée de l'ostréiculture, on pense immédiatement à la culture des huîtres. Aussi, okay. La culture des huîtres, il y a des étapes à respecter. Comme il y a toujours, quand ça demande du temps, aussi, il y a des étapes à respecter. Il faut améliorer dans le manant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des étapes qui composent la des huit et aussi nous expliquer ces étapes. Selon vous, les mots,
ba on pa comprendre nga tojon ñuko dal même ñu tay ci rek lañ ci comprendre parce que nous comprendre donc damaay jëm nak donc il faut nous parler un peu des étapes des étapes de la culture des huîtres les étapes qui composent la culture des huîtres ouais. d'accord donc meun nañ wax né comme tout duguna ci centre culture huître c'est il y a plusieurs étapes hein. Amna étape naissance bi moy captage même moy reproduction bi donc pendant l'été l'huître rejette des larves. Voilà, hey, chef d'âme est venu bonsoir. Chef d'âme, moi-même. Bonsoir, chef d'âme. Donc, chef d'âme, bonsoir. Non. Bonsoir, Aïcha. Bonsoir. Bonsoir, le chef. Ça va, Yanki Diamou, ça va? Bonsoir, chef d'âme. Mangi Ziar. C'est le Ziar, vous parlez. Non. Non, tellement il fallait que me dougou quoi. Me dougou pour plusieurs raisons en fait. Les uns, en bon, parce que la première raison d'abord pas parce que c'est une cuisine. Nous mounti demé en fait, même si c'est un sénégalais ak nous mounti demé dama doona dougou parce que c'est on est tous des frères. Mais dama dougou aussi parce que après ma jam aussi lañu invité parce que c'est rire là. Non. Yo malam mom waaw xam nga ci dara dina dougu aussi parce que je xamna ko xamna fu muy liguey et mën na la nek aussi ci sama carrière man carrière Mohamed Daf Touba bi buñ ci dougalé sen lox mais mom mën na nek ci ñu dëkk dougal loxam ci la bok deugala parce que waxna la Aïcha man nit mën nga ma raw lu né mën nga ma gën lu né mais ken duma gën nek reconnaissant dans la vie man je reconnais toujours quelqu'un qui a contribué sur moi ou qui a fait comme ça sur moi ya bah rek machallah yalla na yalla fet dole donc mën na né on est des frères et sama premier bi yalla bima jëlé Sénégal ma ñëw France moy premier expérience bima am ci France cuisine bima duggé restaurant bima duggu ak ñima defandon entretien cuisine bu mom mo fi nek chef donc c'est moy sama premier expérience bir France moy sama tante bima duggé ci France moy ñëk liggéey moy c'est la tremblade c'est Cheikh Gabi était c'est lui j'étais avec lui c'est lui qui était mon chef moy Hadim dagala après la ñibi sénégal ma ñuat ci yenen keur ma ñuat ci keur mais sama premier expérience fofu était entretien bi patron bi may choisir c'était avec son naval et avec certaines personnes yo xamné ñom ñoo leen liguey dagala on a eu donc on a eu à travailler ensemble moi sama premier expérience ça a été très une expérience très enrichissant. Donc lima ci meuna wax rek c'est parce que dafa nek mom déjà ci lu muy wax dafa nek ci ben groupe bo xamné moy bo xolé ñom ci bopam dañu fonk sen bop moy exemple c'est une région qui essaie de vendre xam nga ñun ñu ngi nane la vente la destination du Sénégal. Mais la Rochelle la tremblade ñom diñuy jëm ñom ci bopam ñom dañuy xex ak tuba bi xex ak français di bëgg daj seen dëkk en fait seen village ouais on essaie ñu ngi jëm ça veut dire qu'ils font tout pour attirer tous les vacanciers des parisiennes tous les vacanciers françaises ñu am un œil ou un oreille tendu sur la tremblade pour ñu mëna ñëw ci ñom dafa melni comme nga dëkk Ziguinchor man ma dëkk Kanyel mais au lieu ñu nan nit ñi ñëw Sénégal mais ñun ku nek dafa bëgg sax sénégalais ci bopam na ñëw suñu dëkk vacances ñom loolu moy seen soxal ñom wessu nañu pays ak pays c'est ça veut dire que seen village bi sax lañu gëna fokk ak pays bi machallah dagala ñu paré ñu am ce qu'on appelle les produits yo xamné c'est des produits régionaux ça veut dire que tu vas à la Rochelle tu vas à la Rochelle tu trouves les produits régionaux qu'ils considèrent une patrimoine qu'ils considèrent ben affaire bo xamné c'est affaire bo xamné mom moy sen patrimoine culturel ça veut dire que parce que da ngay dem fofu nga fekk fo ay témoignage c'est des petits sols bo xamné doko gis fenn ludul fofu
huître, on a des on a il y a des cuisines où que tu as des fenêtres bo xamné da nga yor ay genre lagune nga yor genre lac moy ça veut dire que huître dañ lay laaj huître nga jëm huître bi nga jël ko ci biir dex bi nga jël panier bi nga def ni huître mu dundou nga servir ko donc c'est le ça veut dire que fofu entrecôte mu nga jël entrecôte nga baña respecter cuisson bi ça pas un problème mais poisson ak fruit de mer motax nit ñi di jël sen auto di dem ba fofu donc c'est des produits régionaux donc ça veut dire que ñun fi en fait France dafa am classification il y a des régions yo xamné c'est des régions de viande amna yo xamné da ngay dem fofu foie gras ngay fekk fofu amna yo xamné fruit de mer donc région bu né ak culture am région bu né ak production am région bu né ak lu muy jaay légui à partir lolu nak ñom ci lañuy jar pour attirer les touristes en fait ça veut dire que luñuy yor ñom rek ñoko yor ci lolu lañuy jema attirer les touristes pour venir découvrir leur originalité donc ñun lolu moñu manquer Sénégal ça veut dire que ñun il faut que région bu né mu xam lu mu mom mu xam lu muy bay mu xam lu muy nap mu xam lu muy jaay ñu jëm ko classer mais lolu yakarna rôle bobu nak chef de cuisine parce que il faut ñu ci cuisine ñu baña yam ci cuisine parce que cuisine kessé nekoutul luñuy jaay parce que tay da ngay dem Guillaume Gomez wala nga gis fi bon Thierry Max wala nga gis fi Pierre Gagnère wala nga gis fi yenen chef ñu invité len fekk buñu len invité micro kessé lañu yor ñu wax fekk duñu musu togg parce que ils sont devenus des ambassadeurs dafa melni ko gis Youssou Ndour ñu invité ko fekk yorul guitare mais day wax parce que c'est un ambassadeur donc les cuisiniers il faut que ñu valoriser suñu bop ñu xamné on est en même titre que ces personnes nous on est des ambassadeurs eux ils vendent la culture musique du Sénégal d'autres ils vendent l'art d'autres c'est des dessinateurs nous on vend la gastronomie africaine la gastronomie sénégalaise donc nous il faut qu'on soit fier de nous d'abord c'est sûr. Il faut nous gëm parce que le patron bo xamné corridor bu amé mom lañuy jox médaille alors que c'est le chef de cuisine c'est le directeur qui a appris la gestion hôtelière mom mo yor hôtelam bi mom moy sour hôtelam bi mais mom lañuy décorer palais et alors que lui il est resté chez lui on lui récolte des millions mais je pense que le rôle là c'est que il faut qu'on participe des débats scientifiques buñu togué di wax waxu wergu yaram cuisinier bi top wax sensibiliser nit ñi wax la conservation comment on le fait parler en wolof parler en poulard parler en céréales mais il faut qu'on participe dans les débats scientifiques ñu dimbali suñu yaay yu nek kër yi nan lañuy mëna toggé sen ciébu jeun bi fekk du am diabète nan lañuy toggé sen ciébu jeun bi fekk cholestérol du len ray nan lañuy toggé mafé mais bo toggé ci kanam télé nga la jëlal jus de pomme suba tel koy waxal waxo ak yaayu khadim wala papa khadim parce que amul jus de pomme donc je pense que nous on doit man yagna ko wax Sénégal ça veut dire que togg kessé ak soltoni ça c'est parce que man parfois je me dis il faut qu'on soit fier de nous d'abord qu'on se respecte nous togg kat togg kat non nous on est par nous mêmes mais ñun ñi ci bopam ñu bañ xébandi parce que man je vois mal tay un professeur de Ferrandi ko xamné amna 5 ans d'expérience mu jangal ba paré mu duggu ci sunu gastro ma duggu wax ak mom khadim bo xamne bimu may jël musuma am experience mu duggu ma bañu duggu donc il faut que ñun ñu fonk suñu bop d'abord wax deug yalla bi lañ deug wax parce que tay dama néwon man tay ko xamne il m'a vu que bama am 5 ans d'expérience et c'est première fois bimay duggu ci biir France ci lo khadim la jaar mais mom ma jaar ci lo xam rek ma lan non pas sama chef toubab la sama chef nangam il faut que d'abord qu'on soit reconnaissant entre nous ah c'est sûr ya bah rek dañuy jappalante comme nima koy wax rek affaire yi mom ñu concerter wu ñun ñep xamne combat bi ñu combat la exactement et deuxièmement fi la ko waxat man je te dis awma ben projet actuellement mais lima lay wax parce que xam nga tay ñu ngi non man demna yobuna amna jamono bo xamne invité na chef yeb ñu dem bakanel ñu dem bakanel ñu dugg ba ci bus ñu dem ba centre formation bi ñu defo jël ay produits locaux valoriser ko may sama même sama chef yo xamne ñekkon nañu recommandeur ñom sax demon nañu jamono bobu ñu defo ay def valoriser def ki mais amna lo xamne dafa ma frapper ben bus bi bimu ñëwé ma gis chef ndeki néna ma day dem manako chef ndek ñewal yek sa auto ma yorona kat mune non day yek ak nit ñi bu dem bakanel il a dormi avec ses chef nom chef djouf ñu fanando mais tay chef ndek dafa magget chef ndek munul dox
chef Ndeki tay waron na vraiment bëgguna chef yëm ñu mobiliser man je suis preneur nek ni promoteur pour ñu mëne ko sa bla muy dé bu dé ñepp koy esthéti mais lool amul sens bu koy esthéti tay bu dé won tay ñun ñeppay esthéti mais vraiment mo jangal ñom chef Diouf jangal jangal ak ñeneen donc ñun ñepp dañ ko waron dal ñukkel ñu inviter le ministère du tourisme c'est un agent de l'état ñu inviter toutes les autorités on dit que ça c'est notre pôle bocuse. C'est notre fierté. C'est le premier diplômé de la restauration au Sénégal avec chef B. Donc man vraiment waxnako. Donc il faut que gars yi taxaw ci mais mo gën suba mu am luko nakar fi rek ku nek esthétique et il nous a laissé amul sens ouais. Mama bobu nak mën na nek mama opportunité. Donc ma ngi leen ñaanal Khadim Yalla na leen Yalla taxaw. Amen. Waaw di wax nek ci projet may xaar sama invitation bi sama live bi may xaar sama invitation rugby bi vraiment eh bon pour aussi non rugby mo accord néna ma dina je voudrais vraiment la prendre en live vraiment sama idole la juste non je le dis ici et je la répète rugby m'a dit personnellement qu'il va faire live avec vous au mois de novembre. Elle va voyager, mais dina ben novembre. Mais man dina ko gis souba, je pense que souba soir, mais dina demo def ko ben vidéo ma envoyé la ko nga def ko ben statut. Wala mais nénama Rugi Dia néna dina def live avec qui. Amna yenen surprise yo xamné parce que man dina la né ben affaire la wax c'est simple. Man bima ñew fi xawma ken. Ñom Khadim ñom Babou Diouf rek ñoo nekkal samay mbokk. Ma jogé fofu dello. Yalla nak mo indi ay ki mais gem na ne yalla connaissance yum ma jox xeyna man mom mako xeyna amna ñeneen ñuko mom donc man jokkolante man sama dérange pas jokkolante kima xam rek koku mën na jëriñ Sénégal man indi na président Ferrand Sénégal Aïcha tu te rappelles xawma day bok indi nako le président indi nako ba Sénégal ñeneen ak ñeneen man ko xamne rek xamna ko vraiment parce que aduna non la rek du ñima xam ñoo amal parce que dans la vie là. Quand c'est facile pour toi, il faut essayer de faciliter pour les autres. Parce que moi, je n'ai pas facilité. Donc, man, ko xamné rek, dajé na ak mom, ma xamné c'est une utile pour le Sénégal. Lima wax dafa lèr. Lima wax dafa lèr. Man, bokuma ben association, bokuma ben groupement. Man, kima bokal moy ko xamné day yëkëti Sénégal, day yëkëti métier bi man ma ngi ak mom. Sénégal mo ñu ñor. Ko xamné nak. Ko xamne man même tay amna ño xamne dañ ma alerte ci Facebook bi néne gis nañu sa intervention sunu gastro taf ma envoyé len sama numéro WhatsApp xawma kan la sax dama ko envoyé sama numéro WhatsApp parce que pour man xeyna ma amal ko jeñ wal mu amal ma ñeriñ c'est ça la vie en fait. Donc Khadim sa entreprise bi aussi yalla nal yalla jappalé amen et je te promets inshallah et je te promets heure bima nek Sénégal dina ñew Sénégal buma nek Sénégal dina djel ay chef yu bari ma yab len ci auto ñu dem visiter sa affaire bi et on va le médiatiser man ma la ngay jox mom man ma la assurer lolu buma ñëwé Sénégal dina yobbu ñu bari ci sa projet bi ma paré yow da ngay tok tremble rek ba gis ko ci presse bi inshallah waaw lolu donc amen waaw donc c'est donc waaw inshallah merci et puis bek nañ lolu ci contribution bi. Di la waxat rek nañu jappanté union bi amni union sacrée bi amni ñu baxé ba mu gëna tëgël ba ñun ñëpp ñuy passando waaw di xajéndo di dorodo ba ñu def dara comme ni may waxé rek le cuisinier français ni mu faxé ba ñu respecter piment d'Espelette un peu partout dans le monde ba le cuisinier qui respecte il le met dans ses plats ñun ñu faxé ba ñun aussi suñu tamarin suñu dakhar. Mais Khadim wax la Khadim waaw kon la met avant donc man ma wax la fi ben affaire bima xam nga amna chance tok échanger ay chef yo xamné c'est des meilleurs ouvriers di échanger ak ñom mais lan mom découvrir nako ci dëkk bi et mën nako wal yalla man musu mon xamné ñom ñu avancer ñi ngay dëgg fi pour am daram du ay motax daram mayul len ko ludul daño jappala non c'est des lobbying c'est des ku nek moy jappale morom dañu jappalante dañu la solidarité dafa am solo ci métier bi xam nga man amna Sénégalais day réfléchir waxnañ ma meilleur ouvrier boy participer yankou yankou te remplir
wax nañ ma ay concours yu bari mais dama xamne rek ñom amul dara loolu dañuy mëna ku nekk dafa mëna épauler sa borom pour nga accéder fofu point du ay ci cuisine ki Alain Ducasse amul nekk musul nekk meilleur ouvrier français il est meilleur ouvrier fi par honoraire ça veut dire que dañ ko defa ben moment rek gaay def honoraire meilleur ouvrier mais musul def concours bi meilleur ouvrier amna benen meilleur ouvrier français bo xamné dafa naron gagner meilleur ouvrier comme il n'était pas dans leur lobby xamna kokou lan la kokou fournisseur bi daf ko indil ananas yu pourri fof ci kaw lañ ko danel ah imagine amna Anne Sophie Pic amul CAP cuisine était de intervenir tani comprends c'est que amna ça veut dire que dafa am ay clan mais ñun na comme defuñu clan mais mën nañu mbolo ba valoriser suñu nit mais ñom dañu pardon c'est le message quoi nañu bolo gordon rumsey mu ngi Angleterre. Ok, le chef DAF va nous revenir. Donc, entre-temps, je remercie aussi le chef DAF, contribution. Je le remercie. C'est un homme de parole, vraiment, qui nous soutient beaucoup sur ce live, et qui m'a appelé aussi beaucoup de chefs qui sont en France, comme le chef Abib Sissé. Le chef Abib Sissé, la semaine prochaine. Vraiment, chef Wally, si tu es toujours sur la ligne, c'est ouvert pour toi. Nous les rares. Continuer, on parlait de l'ostréiculture et on parlait des étapes qui composent la culture des huîtres. Est-ce que des tu peux nous développer un peu ce point sur la culture des huîtres? Sur la culture, comme je peux dire, sur la culture des huîtres, vous avez plusieurs étapes. Première étape, c'est le captage de naissance. Moi, naissance, c'est sous demain, c'est collé aussi, coupé. Des coupelles, dañ koy installer ci bir geej bi pour naissance bi larve yi su tay ci collé wu en été comme je l'avais dit tout à l'heure moy juin juillet août après 8 mois larve bobu devient un naissance bobu après il y a le détrocage détrocage bi mo tudde le fait que nga naissance bi nga genné ko ci coupelle bi dougal ko ci poche dans des poches de maille de 2. Donc naissance bi à moment bobu mu ngi def 2 mm voire 4 donc là vous le mettez dans les poches donc lolu moy tout étape de torcage bi et au fur et à mesure nak muy mag ngay yok poche donc vous avez des poches de 4 5 6 jusqu'à 14 donc c'est un processus donc vous avez captage am ngeen captage am ngeen détrocage et après am ngeen affinage stockage et ngeen dougal ko allô stockage et purification c'est quoi sur la le mot signifie ici culture des huîtres détrocage bi purification j'entends pas il y a une étape on a le captage du naissin le stockage le détrocage. Le détrocage et tout ça, là pour on développe le petit lot, le mis signifie. Waouh, détrocage, oui, c'est l'opération. Waouh. Détrocage. Détrocage, oui, c'est l'opération qui consiste à détacher le jeune huître du collecteur. Qui a été capté auparavant il y a de cela 8 mois. Donc action bon mot de détrocage. Donc après 8 mois que l'huître a été captée, c'est collecteur bi moy bi mu guéné larve bi. Donc après da ngeen koy détroquer. Donc c'est un peu détroquer nak après c'est lay mëna dugg ci poche. Donc ci bir poche bi nak c'est bir poche bi parce que ñun on a toujours connu un système naturel hein, de reproduction d'huître. Un système naturel de reproduction d'huître que ça soit ni ma lako mëna waxé. Le Sénégal a toujours connu les huîtres des mangroves, que ça soit que larve bi dem collé wu ci mangrove bi ba mag nga dem cueillir ko. Alors qu'en Europe ici, vous avez comme les systèmes de poche. Donc vous avez l'huître est plus belle en forme et il a un bon goût d'iode et meilleur en goût.
donc et plus belle aussi en forme. Donc d'étrocage bi mo lay permettre nga ci ben fi muy amé 8 mois soko dougalé ci poste ngay mëna amé forme adéquate de la belle 8. Donc d'étrocage bi donc après vous avez le calibrage, dima lako mëna waxé. Calibrage. Waaw, le calibrage bi aussi mom moy définir taille huître bi ak poids bi. Taille huître ak poids bi. Donc il faut savoir moins taille huître moins il est petit en plus numéro bi est grand comme ni mala ko meuna expliquer de comme l'huître qui pèse à peu près entre 85 et 100 grammes on le dit huître numéro 2 donc en jargon culinaire numéro 2 le numéro 3 il est entre 75 et 80 grammes 65 du moins et 80 grammes donc fofu le calibrage bi di dug donc quand on vous dit de l'huître numéro 0 il est entre 110 et 130 grammes. Donc le calibrage aussi, ça c'est, ça permet aussi à vendre les huîtres parce que ça se vend selon les tailles. Et, selon les tailles. Ouais, ouais, de selon les tailles ça se vend. Donc d'où entre le faut le calibrage bi di amé solo. Donc faut le calibrage bi di amé solo. Ok. Ok. Suma comprendre bu ba dafa le comme buñ waxé la culture des huîtres dafa am ay étapes et c'est pas facile. Lépp lo nga xamné da ngay juk rek def ko. Il faut que tu as besoin tamit nga jang ko pour xam fan la tollu naka nga wara def fi la tollu ak et tout ça c'est tout un processus et ça demande du travail de concentration surtout parce que tamit il faut dal nga maîtriser ko bu baax pour nga def. Exact, exact, c'est tout un travail comme ni mala ko waxé donc même avant calibrage bi on a le retournement des poches qui est très important déjà de permettre une croissance bu baax et rapide croissance bu baax et rapide et aussi day joxe retournement poche ça permet aussi aux huîtres de ne pas se coller biñu jappanté parce que suñu mag ci bir poche quand vous avez à peu près 12 douzaines dans une poche 12 douzaines c'est équivalent ou 120 huîtres ça va servir donc sur nek ci ben poche suñuy mag dañuy collenté donc le fait de les retourner day tax du coller et aussi ça les donne une belle forme ça les donne une belle forme mais juste pour revenir aussi à suñu environnement Sénégal j'aimerais bien insister là-dessus en France ici vous avez une huître triploïde hein, je peux dire ou naturelle même vous avez besoin vous aurez besoin de 27 mois pour faire une huître de mois. Qualité quoi ouais, 27 mois en France alors qu'au Sénégal en 3 ans moi de par expérience j'ai réussi à le faire en 11 mois vous voyez pour le poids en 11 mois le pour wax lené suñu environnement ni mu baxé suñu gantiax ni mu baxé mais okay. On se connecte en pas. France, vous le faites après 3 ans en France. Et ici, tu le fais presque en 11 mois. Presque en un an. Ouais, en un an, je peux faire une huître. Wow. Donc, le message que vous m'avez lancé, c'est Sénégalais. Que vous connectez. C'est le plus grand de la Yang Si Yang. Je vais apporter ce truc. Wow. Nous il y a des Sénégalais un peu partout qui excellent dans tout. Mais c'est un message moins. Kep ku ci ne nga xalat ne dekk bi suñu yeuf la donc personne ne viendra aussi construire que suñu place man li c'était un défi quand je le mettais en place on m'avait dit que c'était impossible que ça soit la chaleur est-ce que les huîtres vont tenir et si vous achetez ici des naissains est-ce qu'ils vont surmonter le est-ce qu'ils vont pouvoir supporter le voyage et tout donc, le défi que j'ai lancé et ça a donné ça cette année j'ai pu faire j'ai pu faire beaucoup de ventes et j'ai pu faire des huîtres de qualité et ni mais légal j'ai tout le temps des retours de très bons retours même et ni mon co manawahere souvent que nous guess que ça soit déjà le cuisinier parce que par la cuisine et produits fruits de mer qu'on essaye de mettre en avant nos produits lolo c'est une économie de tiédor c'est une jeunesse de ces gisèn bob et aussi on se connecte aussi beaucoup plus avec notre environnement.
ça aussi, c'est très, très important. Aussi, je voulais dire à Chef Sidibé, si tu es en ligne, Chef Sidibé, tu peux toujours nous rejoindre avec les questions pour Chef Khadim, aussi à Chef Wali, si tu es toujours en ligne aussi. Le streaming est ouvert pour vous, est ouvert pour tout le monde qui veut participer. J'ai envoyé les